Vous avez pu obtenir le rapatriement de ces filles à la République démocratique du Congo? En fait, quand j'avais appris qu'elle était de nationalité congolaise, j'ai demandé aux affaires étrangères qui m'ont envoyé, grâce à l'informatisation, ils m'ont envoyé la copie de son passeport. Et donc c'est avec ça que je me suis battue avec l'avocat pour pouvoir obtenir sa garde, parce qu'elle était déjà mise sous tutelle. Donc nous nous sommes battus pour qu'elle soit revenue ici. Le ministre nous avait instruit et c'est ce que nous avons fait. Et madame, l'enfant revient à Kinshasa et qui va la prendre en charge? Ça c'est une décision qui va se prendre, je pense, avec la famille et le gouvernement. On verra comment ça peut s'organiser. Moi je la ramène sur la terre de ses ancêtres, là où elle pourra être heureuse. Et qu'en est-il des restes de l'illustre disparu? La police nous a contacté seulement mercredi, fin de journée, pour lui dire qu'il disposait maintenant la dépouille à l'ambassade. Donc j'ai envoyé quelqu'un, le confinement, pour aller prendre la dépouille là où se trouve, c'est Hyderabad. Je pense que c'est 2 heures de vol. Ça, on va ramener à New Delhi, faire les formalités, le moment, et puis on verra avec l'aide du gouvernement comment rapatrier ça. Donc le rapatriement se fera au courant du mois en cours? Je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas vous dire, parce que comme je vous dis, on a reçu l'autorisation que...